J'en ai des frissons. Voilà. C'est les meilleurs en Belgique. Bonjour à toutes et à tous, c'est un immense plaisir aujourd'hui que l'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stalito. Et aujourd'hui, on est en deuxième journée de Pro League. On est au Standard de Liège, juste ici dans le stade de Sclessin pour le match entre le Standard et l'Union Saint-Gilloise. On a fait l'Union Saint-Gilloise contre Anderlecht il y a maintenant une semaine. Et aujourd'hui, on est à Sclessin pour voir le deuxième match de l'Union et également le premier du Standard à domicile cette saison. Allez, n'hésitez pas à vous abonner sur Insta et sur TikTok et sur cette chaîne YouTube et on est parti pour cette vidéo ici au Standard de Liège. On est à 1h30 du match ici sur les bords de Meuse du côté de Liège pour la reprise du championnat belge, la deuxième journée mais la première à domicile pour le Standard. Donc on va redécouvrir Maurice Dufresne, le stade des Standardmen qui va être rouge et qui va être chaud puisque le Standard n'a pas joué en championnat depuis quelques mois et là c'est le retour. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de voitures, le soleil est là et on va aller redécouvrir tout ça, aller dans la rue du stade et puis vivre l'ambiance. On est parti, on marche jusqu'au stade et on se retrouve devant. Devant le stade, juste ici bien arrivé avec deux abonnés dont Xavier qui m'a permis d'avoir cette place. Donc déjà merci, je te le dis dès en face, ça fait super plaisir. On est à Sclessin. Les gars, j'ai une petite question avant de commencer et vous avez peut-être remporté quelque chose d'exclusif. C'est la combienième fois que je viens ici? Alors il y avait Charleroi, il y avait Bruges et Anderlecht l'année passée. C'est la quatrième fois. C'est la quatrième fois, ouais. Donc c'est la bonne réponse les gars, donc vous remportez un sticker chacun. Merci. C'est les nouveaux stickers qui sont pas encore annoncés et qui sont là sur la chaîne. Merci, voilà, merci. C'est pour vous, en exclusivité, ouais. Exactement. Pour aller chercher dans les stades, j'ai en collé un peu partout où je vais, donc ça sera à retrouver. Sinon, pour le match d'aujourd'hui, les gars, vous en pensez quoi? Ça va être comment? Ça va être compliqué, le Standard a mal commencé la saison. C'est une grosse équipe de l'Union qui a gagné contre Anderlecht. Moi je pense à un 2-1 avec un but de Van Heusden et Price. Ok, c'est précis. Je pense que les attaquants vont pas faire un second match, mais derrière ça va aller. Et moi je pense 3-1. On pense aux contre-attaques de Mundell et Oyo qui sont super rapides. Ok. On va beaucoup jouer en contre, je pense. On a vu l'Union la semaine dernière, les supporters étaient un peu pessimistes avant le match. Et pourtant l'Union a gagné contre Anderlecht. Il commence par une grosse début de saison, Anderlecht, Standard. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, les gars, on fait 3, j'espère qu'il y aura une ambiance de fou, mais ça en général. Ouais, ça devrait aller. Ça manque pas. Ah, bon, je vais vous souhaiter un bon match. Merci, à toi aussi. Et puis, allez, le Standard. Allez, le Standard. Petite dédicace à Brieux qui vient à tous les matchs. Mais là, il a eu un problème, il est à l'hôpital, donc on pense fort à lui. Une pensée pour Brieux. Bon rétablissement. C'est ça, pensée pour Brieux. Merci, les gars, bon match. Minutes du match, on va rentrer dès maintenant ici dans ce Sclessin avec la T1 qui est là-bas, juste là. On se retrouve à l'intérieur dans un stade qui est très pentu et aujourd'hui on est au troisième étage, donc là on va pouvoir monter et on va avoir une autre vue, quelque chose de bien différent. C'est vachement pentu. C'est le moment qu'on préfère, c'est la montée et l'arrivée dans le stade. Regardez-moi ça. Dans les tribunes, juste ici. Le stade est là. Derrière moi, je suis avec Marco. T'es abonné à la chaîne? Ouais, je suis abonné à Stadito. T'es abonné à Stadito, ça fait plaisir déjà. Et sinon, toi, tu m'as dit en off que ça faisait longtemps que tu n'es pas venu. Ça fait combien de temps? Ouais, c'est ça. Là, ça fait 4 ans que je suis plus revenu. Pour moi, c'est une retrouvaille à Sclessin. Je suis chaud boulette, là, comme on dit à Liège. Donc, j'ai trop hâte, ouais, c'est génial. T'as trop hâte. Aujourd'hui, ce match, c'est le début de saison. On rappelle, le Standard a perdu la semaine dernière contre le Saint-Tron. Là, il faut gagner parce que sinon, le derby la semaine prochaine. Ouais, là, ça fait une défaite pour commencer la saison. Comme on sait qu'on est là. En plus, contre les Bruxellois, ils sont très bons. Oui. Ouais, c'est le moment qu'on sait qu'on est là. Quoi. Une dernière petite question pour toi, c'est un jeu. T'as un petit truc à gagner? Combien de fois dans ma vie, moi, j'ai vu le Standard jouer à domicile ou à l'extérieur? Est-ce que c'est 8 fois ou est-ce que c'est seulement 4 fois? Seulement 4 fois.
4 fois, je pense. Seulement 4 fois à domicile, mais je les ai vus 8 fois parce que j'étais à l'extérieur. Mais c'est pas grave. Allez. Tu vas quand même remporter le cadeau. C'est les stickers, les nouveaux stickers Stalito. Voilà. Merci. C'est pour toi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, c'est gentil. Mais bon match, pour allez, bon match. Bon match. En train de s'y chauffer, on va monter à la place, s'asseoir tranquillement, il y aura la tribune C3 qui est très chaude. Ici, qui est prête à exploser, donc on espère que ça va se produire aujourd'hui face à l'équipe de l'Union. Si vous avez vu le vlog, qui est très très chaud, qui est vraiment vraiment en forme, allez revoir le vlog avant le match. Si vous n'avez pas vu le vlog entre Union et Anderlecht. Belge qui est joué, qui rentre sur la pelouse applaudi par tous les saints. On va donner le coup d'envoi de ce match. J'en ai des frissons. Voilà. Deuxième fois l'attaque dans la surface. Ouh. Ah, écoutez cette serveur, écoutez. Deuxième intrusion dans la surface et deuxième corner pour le standard.
Lyon en projection rapide. Oh, l'arrêt magnifique de Baudard. Corner pour l'Union. Très bien joué, très belle défense. Et l'ouverture du score. Pour l'Union Saint-Gilloise, ouverture du score. Ici, après 20 minutes de jeu. Ouverture du score de l'Union Saint-Gilloise, 1-0 contre l'Union et le Standard, 21 minutes de jeu, c'est plutôt mérité pour l'Union, le Standard a vraiment du mal. Olé, ça vient de péter là-haut. C'est seulement la cinquième fois que le Standard vient dans la partie de l'Union en 25 minutes. J'espère que ça va pouvoir produire une frappe, quelque chose. Et non, c'est rapidement perdu. Corner pour l'Union, la coupe au premier, oh l'arrêt de Baudard. Oh là là, Baudard qui sauve. Standard qui est au plus mal, vraiment. C'est triste de voir ça. Encore devant la surface, ça frappe de loin. Oh là, encore l'arrêt de Baudard. Oh, le double arrêt. Oh, c'est magnifique. La 36e minute de jeu pour l'instant, on dirait l'équipe d'adulte contre l'équipe d'enfant, tout simplement. Toujours 1-0 pour l'Union qui attaque encore et toujours. Et rouge. 38e minute de jeu et carton rouge. Après un deuxième jeu, il y a eu deux jaunes, deux pour le même joueur. Et donc rouge pour le Standard qui va finir à 10. Il est déjà compliqué comme ça, alors j'imagine pas la suite. On va faire attention à la déculottée. Hein. L'Union. Oh l'arrêt de Baudard qui les sauve encore. Hein. Ça pourrait faire 4-0. L'Union. Voilà. Oh là, dommage au Standard. Encore une frappe. C'est la première frappe cadrée de ce match pour le Standard. Alors que le parquage de l'Union, là-haut le parquage de l'Union se régale, lui, de ce match qui vraiment tourne à 100% en leur faveur, très logiquement. Donc vous qui est passé. Ça chauffe, hein. beaucoup de frustration. Entre la capitale et Liège. 4 minutes de cette 8 minutes extra time. De temps additionnel, j'ai hâte de voir la réaction du public à la mi-temps. Son public est vraiment le meilleur équipe. Ici pour l'Union Saint-Gilloise, on a vu une mi-temps très difficile pour le Standard. Je suis avec un supporter. Tanguy, t'en as pensé quoi toi de cette mi-temps? Eh bien, pas grand chose de positif. Hein. On se crée pas beaucoup de danger. À part une petite occasion, on subit quand même la pression de l'Union. Et avec l'exclusion, ben là, ça va faire des choses encore plus. Ça va être difficile. Cette mi-temps va être difficile. Pendant la première mi-temps, j'ai employé l'expression, j'ai dit que c'était un match d'enfants contre des adultes. On a un peu cette impression-là du côté du Standard. Il y a une différence de classe énorme et ça se remarque effectivement sur le terrain. Après les transferts du Standard cette année, c'est beaucoup de jeunes. Ouais. On a l'impression que c'est un pari sur l'avenir, mais ils sont pas encore les épaules et les reins assez solides pour jouer en première division, j'ai l'impression. Ouais. Est-ce que tu as un petit mot à donner pour les supporters, pour l'équipe, en espoir Faire d'espoir, hein. De toute façon, le public de Sclessin, c'est quand même le meilleur public de Belgique. On sera toujours présent dans la victoire comme dans la défaite. Et ça, c'est le plus important, je pense. Ouais. C'est le plus important. Et un public qui n'a aucune équipe pour l'instant. Voilà. On va souhaiter qu'en deuxième mi-temps, ce soit mieux et que ça ne soit pas une grosse valise. Parce que ça va faire très cher. Là. À éviter la catastrophe. Ouais. C'est ça. Merci beaucoup. Merci, Tanguy. Merci, deuxième mi-temps. À notre place, et Lyon est parti pour cette deuxième mi-temps. Comme je dis, attention à la valise, attention. 1-0 pour Lyon, alors que le Standard est à 10. Lyon dans la surface. Voilà, et voilà, ça c'est vraiment
le symbole d'une équipe qui va pas bien. C'est bien joué, deuxième poteau, le poussin. Oh le contre. Oh là, bien contré. L'union c'est pas terminé. Oh là 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 là, comment ça rend la balle. Et le public reste derrière ses joueurs. Dans le parcage de l'Union Saint-Chinoise. Le contre. Le contre pour le standard. C'est sûrement la dernière chance. On entre dans le temps additionnel dans quelques secondes. Mais non, c'est conservé, c'est conservé, c'est conservé. Oh là 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 là. Bah, c'est à l'image du match. Le standard, et non, mais non, aucun espoir, vraiment rien. Et là, l'Union qui va pouvoir peut-être clôturer ce match, le contre. La poussin. Oh, le retour. Ça en aime ici. Malgré un match catastrophique, reste et les supporters également pour les applaudir. Les supporters ici, c'est tout de même quelque chose. Et là, avant le derby. Derrière ces joueurs qui ont fait une prestation horrible, il est plus petit, il est plus fort, et il est là. Fin du match ici et victoire de l'Union Saint-Gilloise, 1-0. Je suis avec deux supporters du Standard qui ont vécu une soirée difficile. Non, c'était comment pour vous? Très difficile, mais ça peut que aller quoi. C'est le début de saison, c'est des nouveaux joueurs et tout ça. Faut rester confiant, ça va aller. On reste positif, on reste confiant. On reste confiant. Positif, j'espère que ça va aller pour la suite. Il va falloir lancer la saison dans le derby. Ouais, il faut. C'est la meilleure façon de lancer cette saison. Là, ce sera le meilleur, il fallait chercher 3 points à Charleroi. C'est ça, on a vu les supporters, vous êtes là, vous êtes forts. On sera toujours là. L'équipe est là, et en tout cas, au Standard. Il y a des vrais. C'est les meilleurs en Belgique. Super. Merci beaucoup. Bon courage pour cette saison. Merci. Ciao. Merci beaucoup. Et voilà, c'est avec des supporters optimistes que l'on se quitte ici au Standard. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et l'ambiance, malgré le résultat pour les Rouges. Ici, supporters du Standard, les unionistes enchaînent la deuxième victoire après celle contre Anderlecht. Victoire 1-0 ici à Liège. J'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner sur Insta
sur TikTok et sur cette chaîne YouTube. Et puis nous on se retrouve très bientôt avec notamment un nouveau match en Belgique, très certainement entre Malines et Gent. Ça arrive dans la semaine suivante. Allez, moi je vous dis à très très vite. Vive le football et vive le Grand Doping. Ciao. Allez, bien joué les gars. Salut. Ciao.